Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Chai, Norber Ben Fortuné Mazal, Rachamim Ben Rosa Chayavat Tova et Moshe Ben Yaakov Tarab. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude, le Mishnah Kotek Tazak, une étude éternelle. Nous étudions la Sechet Bechorot, Perek Vav, Mishnah Gimel. Chavarvad vehamayim akvouim, eizehu chavarvad akavua. Kol shesha ashmonim yom, Rabbi Chanan Ben Antigonos Omer, bodkin oto shlosha pe'amim betoch shmonim yom. Ve'elu hem amayim akvouim. אכל לח ויבש של גשמים, לח ויבש של שלחים. אכל היבש ואחר כך אכל הלח, אינו מום עד שיאכל היבש אחר הלח. On continue dans le sixième pérec de Prorot, on découvre tous les défauts qui invalident les animaux, à monter au misbar, qui invalident les corbanes, les sacrifices. C'est-à-dire pour offrir un sacrifice, ça ne suffit pas d'apporter un animal qui est cachère, qui est viable, qui est pas taref, il faut qu'il apporte un animal qui est parfait. Chalem, comme on prend un étrog chalem, on amène un animal qui est chalem, pas qui a un défaut. Vous imaginez bien, on va faire cadeau au roi un mouton, le mouton il est boiteux, c'est pas mechoubad. D'accord ? Ben selon le même principe, le bechor il doit être parfait aussi. Tamim, la Torah elle insiste toujours sur le mot tamim. Le korban, il doit être tamim. Zachar tamim écrivez-nous, toujours on dit. D'accord ? On a pris dans la Mishnah maintenant, Aleph, les défauts des oreilles, si toutefois il a une fissure. Mishnah Bet, on a commencé à parler des défauts des yeux. Et à présent, on continue avec les défauts des yeux, avec deux sortes de maladies qui vont invalider le korban, s'il a donc ses problèmes dans les yeux, qui sont Chavarvad et Amaim Hakvouim. Deux maladies, une qui s'appelle Chavarvad, l'autre qui s'appelle Amaim, mais que tous les deux doivent être Kvouim. J'explique. Chavarvad, ça vient de Chiver, comme en hébreu moderne, on dit Chiver, parce qu'en araméen, le Lavan se traduit Chivar. Chamal Chivar Atik, on dit dans l'actorette, c'est du vin blanc. Chivar qui est blanc. Donc, s'il a une tache blanche dans les yeux, des petites taches blanches dans le noir de l'œil, il a là-bas une petite tache blanche, ou encore Vamaim Agvouim, ou encore il a Vamaim, il a aussi, il a les yeux qui larmoient tout le temps, qui ne se guérit pas, il a les yeux qui pleurent tout le temps. C'est aussi un défaut, mais à condition que ces deux défauts-là soient Kvouim, qu'ils soient fixes, pas occasionnels, momentanés, mais qu'ils soient de manière permanente, tout le temps. Pas, d'accord ? Et la Mishnah m'enseigne maintenant, à partir de quand on définit que ces défauts sont fixes ? Alors on va s'occuper d'abord du premier qui c'est le Chavarvad. Ezo Chavarvad akavua. À partir de quand je considère que la maladie du Chavarvad, les petites taches blanches dans les yeux, qu'elles sont assez fixes, suffisamment fixes. Kol Sheshash Monim Yom. Tant que le Bechor est resté avec cette petite tache blanche dans les yeux durant 80 jours, ça y est, ça fait une durée trop longtemps, donc elle a été invalidée. On pourra maintenant égorger. Mais tant qu'il n'a pas passé les 80 jours, peut-être qu'il va guérir, peut-être que c'est donc ponctuel, momentané, et que ça va s'arranger ensuite. Donc il faut vérifier 80 jours. Sur ça, il y a Rabbi Chanan Ben Antigonos Omer, Botkinoto Shlosha Pe'amim, Betor Shmonim Yom. Ça ne suffit pas 80 jours. Il faut vérifier 3 fois pendant ces 80 jours. D'accord ? Tous les 27 jours, il rapporte le Bartanoa. Tous les 27 jours, une fois que tu as fait état du problème, tu reviens 27 jours après, et ensuite 27 jours après. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en route, c'est vrai que tu l'as vu il y a 2 mois et une semaine, donc l'équivalent de 70 jours, tu as vu qu'il avait une tache blanche, il y a encore la tache blanche. Mais peut-être que c'est parti que c'est revenu. Comment tu peux certifier que c'est resté là tout le temps ? Si tu l'as vu avec les intervalles de 27 jours, donc jusqu'à que tu as rempli les 2 années, j'imagine que ça va être plutôt 26, quoi, selon mes calculs. Donc, en tout cas, si tu as vu que la dernière vérification, il avait encore la tache blanche, que ça a perduré pendant 80 jours, avec intervalle, donc c'est venu à ça invalide le corban. D'accord ? Si toutefois c'est parti et c'est revenu ensuite, il faudra attendre de nouveau 80 jours. Deuxième partie de la Mishnah qui va s'occuper maintenant, Ve'elouem Maim Akvouim, tandis que les yeux qu'il a armoient de manière fixe suffisamment longtemps. Qu'est-ce qu'on considère suffisamment longtemps ? Alors là, ça dépend plus d'une durée de temps, mais ça dépend d'un remède à lui donner. Et tu regardes, tu constates, est-ce que ce remède marche ? S'il ne marche pas, alors tu pourras définir que c'est ceci. La maladie qu'il a le Bechor, c'est une maladie qui va l'invalider pour le Misbéach. C'est pas taref, il n'y a aucun problème, il va vivre longtemps. Il y a rien qui peut vivre avec des yeux qu'il a moi. Mais en tout cas, pour être digne de monter sur le Misbéach, d'être un cadeau qu'on offre au roi des rois, eh bien, et ça va plus. D'accord ? Maintenant, à partir de quand, donc, comment est-ce que tu fais ce remède ? Veloem Maim Agvouim, à partir de quand je considère qu'il l'a moi de trop, de manière fixe,
au point où il va être analysé pour le korban. Alors là, il y a un grave problème. C'est que la Mishnah, elle dit une chose, mais en fait, la Gemara, elle explique que c'est pas exactement. La première partie, ça va. Achal lach veyavesh shel geshamim. Peut-être qu'on traduit. Je traduis d'abord linéairement, et puis après, on va en faire de l'ordre. Achal lach veyavesh, c'est qu'il a mangé de l'herbe humide et de l'herbe sèche, qui a poussé grâce aux pluies. Lach veyavesh shel shlachim. Ou encore, mais c'est pas ou encore, on va expliquer que c'est pas ou encore, c'est pas du tout, il faut pas que ce soit ça, mais que ce soit de l'herbe fraîche et de l'herbe sèche, des shlachim, d'un champ qui a été arrosé par l'homme. D'accord ? On est toujours, on distingue dans la Mishnah, on a déjà eu l'occasion de rencontrer, on distingue ce qu'on appelle Sde Abal et Sde Bet HaShlachim. Sde Bet Abal, c'est celui, le champ qui est arrosé par les pluies naturellement, qui pousse naturellement. Tandis qu'un champ qui est irrigué manuellement par la force de l'homme, il a un autre statut, de manière générale. Souvent, il y aura une raison assez logique du fait que si c'est irrigué par les hommes, alors ça ne se développe pas de la manière naturelle, ça ne donne pas toutes les forces que ça peut être, donc forcément, ça aura des propriétés différentes. D'accord ? De manière générale, ici en l'occurrence, il y aura aussi une différence. Le remède doit être réalisé avec l'ar veyavesh, l'herbe sèche et l'herbe humide, l'herbe fraîche et l'herbe séchée d'un champ qui a poussé avec les pluies. Et on va expliquer aussi, on va apporter plus de précisions, il y a plein de précisions dans le Mantel Noir. Tandis que si c'est d'un champ qui a poussé, donc irrigué par les hommes, ce n'est plus bon, ce n'est pas une bonne guérison. C'est-à-dire, ça implique que si tu as suivi les directives qu'on t'a dit, tu l'as donné le remède comme on t'a dit de le faire, durant la durée de temps, et que malgré tout ça reste, alors on va vérifier tout d'abord la date de péremption du médicament. On va vérifier où ça a poussé. Si ça a poussé dans un champ normal, ça marche. Mais si ça vient de Chine ou de Turquie, c'est-à-dire ça a poussé dans un champ qui a été irrigué manuellement, eh bien là, dans ce cas-là, c'est le médicament qui était inapte. Donc, même si ça fait maintenant 6 mois que ça dure, que le Bichor l'armoie, ce n'est pas encore une raison pour pouvoir le faire la Shrita. D'accord ? On va expliquer après le remède exactement. D'abord, j'ai envie de finir la Misha, parce que c'est tout lié. Achal ayavesh. Et la Mishnah continue à me dire Achal ayavesh, bachak achal alach. On parle qu'elle a mangé l'herbe séchée avant de manger l'herbe fraîche. Enomum, plutôt, j'ai mal dit. Je peux dire comme ça. Achal ayavesh, bachak achal alach. Enomum, achal ayavesh, achal alach. Si elle a mangé l'herbe sèche avant de manger l'herbe humide, enomum, ce ne sera pas un défaut. Parce que tu as de nouveau, tu as mal fait le remède. On t'a dit après les repas de manger, tu as mangé avant les repas. Et tu guéris pas, tu revas voir le médecin. Et le médecin t'a dit, mais je t'avais dit de le manger après ou avant. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. D'accord ? Il y a une manière de faire un remède. Et c'est là tout le principe de la Mishnah, en fait, de me dire que le remède que je te propose de manger l'herbe fraîche et l'herbe séchée ensuite, c'est uniquement quand tu manges l'humide, la fraîche, avant la séchée. Qui n'est ni humide ni sèche, comme ce qu'on va expliquer. Mais en tout cas, d'abord, on a fini les mots. Et donc, ce n'est pas la manière de faire le remède. Le remède, c'est de commencer d'abord avec la sèche, et puis après seulement l'humide. C'est quoi l'herbe sèche et c'est quoi l'herbe humide? C'est en fait, c'est l'herbe qui pousse au début du printemps, en Nissan, fin de Hadar, Nissan. Et ça, c'est l'herbe fraîche. Et l'herbe séchée, c'est celle qui va pousser à la fin de l'été, qui va pousser en fait en Av et Loul. Et il faut que tu fasses le remède de lui donner. Et donc, sur ça, la Mishnah nous dit, donc, le remède maintenant, il est que tu vas d'abord faire, tu vas tester, est-ce que l'animal il va guérir en lui donnant à manger cette herbe fraîche, et puis, non, cette herbe sèche d'abord avant de commencer, et puis après l'herbe humide, en fait. Donc tu commences le remède depuis la fin de l'été. Tu commences, tu tires en hiver, et puis arrive ensuite le mois de Hadar. Et là, tu continues à faire le remède. De nouveau, tu continues à lui donner. Et tu regardes le Bechor, comment il a réagi. Est-ce que les yeux se sont arrêtés de larmoyer? Si oui, alors c'est bon, ça guérit, bien évidemment. Sinon, alors il y a un défaut, parce que là, cette fois-ci, tu as commencé avec le sec, avant l'herbe qui est posée dans la période plus humide. Mais si tu as fait le contraire, tu as commencé depuis Adar Nissan, et puis ça continue après, tu as continué même l'été. Ça fait un an que tu lui donnes à manger tous les jours, selon les quantités requises, et comme ce qu'on va dire tout de suite. Et bien là, dans ce cas-là, ce ne sera pas encore une preuve que cette maladie qui a le Bechor, ce n'est pas encore un défaut qu'elle voit, parce que si tu procéderas comme ce qu'on t'a dit de le faire, il guérira. Comment est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger d'abord? Alors il faut lui donner à manger du Teven et du Khatsir. Teven, c'est de la paille,
mélangé avec du khatsir. Je ne sais pas c'est quoi le khatsir. Ça se lit, il nous dit le Matmir khatsir, la BMA, Vesel, la Vodat Adam, c'est dit dans Télim. Il faut regarder, dommage, je n'ai pas pensé pendant le. Quand je prends la façon du cours, regardez, cherchez, faites une recherche internet, dictionnaire de Zadokan, vous avez la Bible traduite. Vous cherchez donc Teilim Kufhe, qu'on est à Rosh Chodesh, Matsmir Khatsir la BMA, et vous aurez exactement c'est quoi le. Il dit le Barthénora, il nous dit le Fainou. Sans quoi, il parlait à la fois l'italien, l'arabe, il y a le Targum en yiddish, c'est du Hey. Je ne sais pas si ça vous aide. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour les espèces à manger. Et on a dit, l'humide, la fraîche, c'est celle qui pousse en Adar, et Nihati Nissan. Et l'autre, c'est celle qui pousse en Elul et Khati Tishri. Maintenant. Pour le remède, c'est ce qui m'intéressait d'arriver ici. Combien il faut lui donner à manger exactement? Comment ça se passe? Alors, le bartender, il nous dit, j'avais pris, je me rappelle, il y a 7 ans, dans Dafayumi, à l'époque, quand on était là-bas, j'avais pris quelque chose d'extraordinaire, je vais vous le dire après. Il nous dit, le bartender, comment est-ce qu'il faut faire le remède pour le guérir? Tu commences comme ça. Teman de Khatsir Agadel, donc tu prends, tu commences d'abord avec celui qui pousse. J'ai un problème dans les périodes. Il dit de donner à manger d'abord la sèche avant l'humide. Je ne sais pas comment ça marche. En tout cas, vous faites donc vous donnez le procédé, vous faites le procédé, vous donnez à manger comme il faut, et comme ça. Vetzarir sheyochal mehem lo pachot mikel gogeret. À chaque repas, tu lui donnes une quantité d'une gogeret, d'une date. Mais kol seuda vesouda, kol shlosha chodim pendant 3 mois. Mitrilat haseuda olachar sheshata. C'est-à-dire, il commence à manger un peu le repas, il boit le bechor. Seulement après, tu viens avec la petite cuillère. Tu lui amènes maintenant la quantité d'une équivalent d'une date au moins de ce mélange-là de Teven et Khatsir, tu lui donnes, tu le fourgues dans la bouche et tu lui donnes. Veloye kafut becha'an she'ochel ha'asavim alalu lirfoa. Il ne devra pas être plié pendant qu'il mange. C'est kafut. Kafut, généralement, kafut, c'est quelqu'un qui est rattaché. J'imagine plus que c'est replié sur lui-même, ça veut dire qu'il est kafut. Je ne sais pas exactement. Il ne doit pas être attaché. Il ne doit pas être replié sur lui-même, je pense, pendant qu'il va manger ce remède. Mais là, c'est là le si. Le top. Velo yeyechidi elaim chaverav. Il ne doit pas être tout seul, il doit être en ambiance. Il doit être, s'il est avec ses copains, alors là, tu as fait le procédé comme ça pendant 3 mois, et basade velo batochaïr, il doit être aussi dans les champs. Avec calme, ouais, en voyant de temps en temps la locomotive qui passe dans le paysage, mais sûrement pas dans la ville où il y a beaucoup plus de stress. Velim shalmulo kolat naimalol. Donc si tu as fait tout le procédé comme ce que je t'ai dit, et que malgré tout il est resté malade, alors c'est devenu un mumkavo et tu peux enfin lui faire. Là, tu veux aller faire la shrita. J'avais appris de là quelque chose d'extraordinaire. C'est une question assez essentielle. Quand on est, par exemple, au collège, on a envie de sortir pour un café, et puis on va avaler vite, on ne va pas rentrer mettre la avec un café. Il faut avaler le café, par exemple. On est fatigué, on a besoin d'un café. Question. Bon, c'est sûr, on aime bien boire le café, en goûtant un petit peu, et puis, d'accord. Et puis après, c'est comme ça qu'on boit un café, on le boit de manière avec calme. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à boire un café pour se réveiller en l'avalant d'un coup? Et à l'essentiel, c'est que le café soit dans le ventre et qu'il fasse l'effet, qu'il diffuse la caféine dans le cerveau, et puis tout ira bien. Ah ben non, j'avais appris de cette Mishnah, de cette Gemara, qu'apparemment ça marche pas comme ça. Quand on boit quelque chose pour que ça réveille ou pour que ça guérisse, il faut être en ambiance, il faut être au calme, il faut être avec des copains aussi. Et seulement là, alors le remède, il est capable de marcher. Comme ça, c'est écrit ici, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a aussi la bonne nutrition, ça implique, c'est pas qu'un problème de manger les bons aliments. Aussi, il faut les manger dans le calme. En ambiance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Assachakolto, ça va.